soir. Écoutez-moi, j'ai dû quitter tous les miens dans ma valise. Les rêves d'une meilleure vie, j'ai dû laisser mes racines et n'emporter que quelques souvenirs. J'ai parcouru des mers et des villes. J'ai vu comment Dubaï se construit par sa richesse et son économie. Voilà qu'arrive la Chine. Qu'avons-nous appris, frère? Africa, je me demande souvent, est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, battant des bras. Africa, je me demande souvent si cette manne est une malédiction avec tant de richesse et d'abondance. Nous sommes toujours là, battant des bras. Oh oh oh, oh oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Oh oh oh, oh oh, j'en ai assez de voir les miens comme ça. Faudrait changer les mentalités. Peut-être penser, se responsabiliser. D'où je viens, on n'est pas rien. Le bleu du ciel est aussi beau qu'ailleurs. J'ai parcouru des mers et des villes. J'ai vu comment Bombay se construit par sa richesse et son économie. Alors que l'Inde suit, allons-nous agir, frère? Africa, je me demande souvent, est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, battant les bras. Africa, je me demande souvent, cette manne est une malédiction avec tant de richesse et d'abondance. Nous sommes toujours là à tendre les bras. Oh oh oh, oh oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Oh oh oh, oh oh, yeah, yeah. C'est l'héritage de nos pères, la terre de nos mères, fierté africaine. Nos enfants. Africa, je me demande souvent, est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, battant les bras. Africa, je me demande souvent, si cette manne est une malédiction avec tant de richesse et d'abondance. Africa. Chose qui ne va pas, va pas. Oh oh oh, oh oh oh, oh, oh. Yeah, j'en ai assez de voir les miens comme ça. Yeah, c'est mon histoire, c'est notre histoire. Apocalypse, chapitre 1. Ce livre contient les choses cachées que Jésus a fait connaître clairement. Dieu lui a fait connaître ces choses pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Le Christ les a fait comprendre à son serviteur Jean en lui envoyant son ange. Voici ce que Jean a affirmé. Tout ce que j'ai vu, c'est bien la parole de Dieu et c'est bien le témoignage de Jésus-Christ. Il est heureux celui qui lit ce livre. Ils sont heureux ceux qui écoutent ces paroles venues de Dieu et qui obéissent aux choses écrites ici. Oui, le moment fixé est bientôt là. Moi, Jean, j'écris aux sept églises de la province d'Asie. Que Dieu qui est, qui était et qui vient vous donne la bénédiction et la paix. Que les sept esprits qui sont devant son siège de roi vous les donne. Et que Jésus-Christ vous les donne, lui, le témoin fidèle. Il est le Fils premier-né qui s'est levé du milieu des morts. Il est aussi le chef des rois de la terre. Jésus-Christ nous aime et il nous a libérés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous les membres du royaume de Dieu.
Il a fait de nous des prêtres pour servir Dieu son Père. À Jésus-Christ la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Regardez, il vient au milieu des nuages et tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Tous les peuples de la terre seront en deuil à cause de lui. Oui. Amen. Le Seigneur Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Je suis le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, je souffre avec vous. Avec vous, j'appartiens au royaume de Dieu. Avec vous, je reste patient en étant uni à Jésus. Je suis déporté dans l'île de Patmos parce que j'ai annoncé la parole de Dieu et que j'ai été le témoin de Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit Saint me saisit et derrière moi, j'entends une voix puissante comme le son d'une trompette. Elle dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Ensuite, envoie-le aux sept églises suivantes. À Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me retourne pour voir qui me parle et je vois cette lampe en or. Au milieu des lampes, il y a quelqu'un qui ressemble à un homme. Il porte un vêtement long et une ceinture en or autour de la taille. Sa tête et ses cheveux sont blancs comme de la laine, d'un blanc très clair. Ses yeux brillent comme du feu. Ses pieds semblent faits d'un métal très solide que le feu a rendu brillant. Sa voix est aussi forte que le bruit des vagues de la mer. Dans sa main droite, il tient sept étoiles. Une épée pointue qui coupe des deux côtés sort de sa bouche. Son visage brille comme le soleil à midi. Quand je le vois, je tombe à ses pieds.